Hello tout le monde, c'est Asso. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on va jouer à DayZ. Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Tranquillou, deuxième épisode de la journée. Épisode précédent, on avait rangé notre armurerie, tranquillou. On avait construit donc la maison. Bon, ça, c'était dans... Ah, c'est déjà vieux maintenant, tout ça. Et on était pas loin de... comment dire, de Martin. Il y avait du fight avant. Je sais pas où a disparu le mec ou les gars. J'ai regardé un petit peu hors caméra, je n'ai rien trouvé, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, à part que je me suis fait taper par un zombard alors que j'étais planqué dans un buisson. Le problème qu'il y a, c'est que bah, déjà j'ai pris super cher et il va me falloir de quoi me soigner, à savoir de la bouffe. Donc on va partir à la boutique rapidement et je n'ai plus de bandage également. Donc ouais, il n'y a pas grand chose qui va, si tu vois ce que je veux dire. Il y a une voiture juste là, j'ai pas fait attention avant, mais est-ce que c'est relativement roulable ce truc là ou pas? À checker hein. Je dirais que c'est à checker. On verra ça tout à l'heure. Entre temps, ah il y a une deuxième boutique là. Ah c'est bon ça, j'ai pas fait attention. Excellent, excellent. Je me suis en train de me dire, est-ce que je vais pas vider la première boutique pour looter la deuxième ensuite, puis la vider, etc, etc. Enfin faire des allers-retours jusqu'à être relativement plein au niveau de la bouffe. Ça me paraît être une bonne solution ça. Oh bah bon, je dis ça et en même temps il y a que de la bouffe. Enfin par contre si tu veux bien la prendre hein, c'est encore autre chose ça. Ah bravo, je te jure. Deux batteries, ouais c'est vrai, pourquoi pas deux hein. Oh, tant qu'à faire. Non mais c'est vrai, t'as raison. Deux ça vaut mieux qu'une. Encore de la bouffe, vas-y fais péter. Encore deux batteries, à quatre batteries dans la même boutique, ah ça va. Pourquoi pas hein. Ok, next. Je vois que dalle. Autre boutique qui doit être là-bas je suppose. On pourrait se refaire tant qu'à faire un petit tour par le truc de flic. Deux Mountain Dew. Non, sérieux? Oh putain! Ça c'est collector. Doublement collector d'ailleurs. Boisson. La bouffe ici aussi. C'est bon ça. Je suis vraiment en manque de sang, c'est assez incroyable. Alors la scie, je sais où la trouver. En fait, la scie se loot maintenant dans un nouveau bâtiment. Nouveau bâtiment que j'ai déjà vu. Mais malheureusement, dans le coin, je vois pas où est-ce qu'il y en a un. Alors, ça ressemble plus ou moins à celui qui est là-bas. Mais c'est pas celui-là. Voilà. Non, franchement, je sais qu'il y en a un, sûr et certain, à Ekaterinbourg. Ouais. Alors, Ekaterinbourg, c'est où? C'est à côté de Kameni. Et là-bas, je suis sûr et certain qu'il y en a un. Mais, ça fait un peu loin. Hein. En tout cas, ce qui est sûr... C'est que je pense que si jamais je meurs, je vais retourner à Kameni, histoire de pouvoir looter potentiellement ma scie là-bas quoi. Que de la merde. Encore que de la merde. Toujours que de la merde. Et... Waouh! Transcendant. C'est un fusil à pompe, ouais, on va dire que oui. Ça ressemblait à un M10-14. On peut quand même aller jeter un coup d'œil très rapidement. Par là-bas. Je sais pas combien j'ai de sang. Merde. Je sais pas combien j'ai de sang. Mais ça craint. Franchement, ça craint. Ça craint vraiment là. Le mec, il est mid-life quoi. Je me suis mis mid-life à cause de zombies uniquement. Bizarre. C'est pas dans mes habitudes. Bon, on va peut-être devoir refaire un tour par la case boutique histoire de se remettre un peu de vie encore une fois. Ah, voilà. Là, il y a plus de loot. Ouais, je dis ça et pas vraiment en fait. Ouais d'accord. Ouais d'accord. Ou pas quoi. Alors la gare. Hein là-bas. Rien. Ouais c'est pas. Non c'est pas ce bâtiment là. C'est vraiment bien spécifique. En tout cas ce sont c'est les nouveaux bâtiments qui les lootent. Voilà. Les nouveaux bâtiments lootent les nouveaux items. Bon, en même temps c'est pas compliqué. Au moins tu gagnes du temps. Non par là. Mais ouais. Oh j'adore. Regarde-moi ça comme ils sont passés à travers le mur, c'est tellement sexy. Easy peasy. Ouais, arrête de gueuler.
Arrête de gueuler, on s'entend plus parler là. Il va faire nuit bientôt. Pour moi ça voudra dire changement de jeu. En attendant qu'il fasse à nouveau jour. Eh si, peut-être que là-dedans en fait il y a moyen de trouver. Ouais, c'est ce bâtiment là. Oh Fatch, sérieux? Alors soit on a beaucoup de chance, soit je sais pas trop. Mais c'est bien dans ce bâtiment là apparemment. Ouais, c'est dans celui-là. Nickel. Voyons voir. C'est exactement dans ce bâtiment là qu'il y a les nouveaux items. Ouais, c'est très bien. Alors sur internet j'ai vu qu'apparemment le pop de loot se faisait ici au milieu quelque part. Visiblement là il y a rien. Ah bah entrenching tool, voilà. Ouais, après bon après bien sûr tu peux trouver des anciens items également, y a pas que des nouveaux. Mais en tout cas c'est par ici que ça se trouve. C'était un coup de flingue ça. On est d'accord hein. Je crois que c'était un coup de flingue. Eh ben on a pas de chance. Est-ce qu'on sort les items peut-être? Ouais on va sortir les items. On va revenir tout à l'heure. Avec un peu de chance. Ouais c'est triché. Non c'est pas triché, excuse-moi, ils ont qu'un gérer leur bordel un peu mieux si tu penses que c'est triché, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux. Ah bon! Me cherche pas hein. C'est pas triché. C'est juste une utilisation, voilà. Intelligente de, du respawn de loot. Et accessoirement c'est pas de la duplication non plus, ok. Je fais pas de duplication, vous avez pu remarquer. Alors que ça existe, il y a les gens qui le font, ok. Pour des reinforcing, pour de la pierre, pour de la merde. Moi je fais pas ça, je cherche tout à la mano, ok. Donc si je vide une fois un bâtiment, tu vas pas me faire chier non plus hein. Bon voilà, très bien. Et il est où le monsieur qui a tiré? Est-ce que c'est déjà, alors déjà avant toute chose, est-ce que c'est bien quelqu'un qui a tiré? Ou est-ce que c'était juste un son de jeu comme ça, tralala. Tu veux bien te garer derrière le poteau s'il te plaît? Parce qu'il faut que je change un truc. Voilà, merci. T'es mignon. Bon, maintenant, je vois toujours rien. Ça a pas vraiment aidé. Mais c'est pas grave. Il est où le petit bonhomme? Perso, je ne vois rien. Personnellement. T'as pris le chargeur ou t'as pas pris le chargeur? Ouais, t'as pris le chargeur, c'est bien. Eh, est-ce qu'il y a quelque chose dans les wagons, tiens? Parce que là, d'ici, je vois un cement mixeur. Des fois qu'il y a des gens qui transportent des scies dans des wagons, on ne sait jamais. Oh, une toolbox? C'est le slime. Comment on fait pour... Je sens le cassage de jambes, je sais pas pourquoi. Nice. Non, je confirme, là, bien quelqu'un qui a tiré là pour le coup. On va directement aller jeter un coup d'œil. Est-ce qu'on peut sauter sans se faire mal? Ouais. Bien quelqu'un qui a tiré là. Petit. Viens là, viens. Ouais, viens voir tonton à ce. Il est gentil. Trois zombies qui viennent de pop. Wow, c'est peut-être moi qui hallucine. Non, seriously. Je suis carrément certain d'avoir entendu pan. Pan, non, mais juste pan quoi. Ce qui est suffisant. En même temps, s'il y a du zombie qui vient de pop, j'ai envie de te dire que concrètement, il y a personne quoi. Est-ce que c'est mat? Est-ce qu'il y a un truc qui me fait une blague là ou comment ça se passe? Mais je vais réécouter la vidéo quand même pour être sûr. Enfin, moi j'ai bien entendu un petit pan. Passons. J'ai d'autres choses à foutre, il faut que je trouve une scie. Wagon suivant. Ah ouais, tant qu'à faire, on va jeter un coup d'œil. Combien de... Ouais, large. Que dalle.
vois rien. Ah oui, chez vous. Il y a un truc, hein. Ouais, il y a un truc, on est d'accord. C'est quoi? Ah, c'est des plaques de métal, machin, chose. Non, non. Oh, tiens, salut. Eh? 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 No, seriously? Come on. J'ai... Ouais! Yeah! Le petit cheat, tu cours contre le truc et tu le récupères. C'est quoi, toujours pareil? Plaque de... Ouais. C'est bien ça, vous avez pas les effets de luminosité. Moi je vois juste rien là, c'est ça qui est génial. Alors qu'il fait jour encore, hein, mais je vois juste rien quand même. C'est beau. Bien. Une hachetée. Ah ouais, on a... Attends, on a une jerrycan sur nous. Hein. Ouais, alors je vais... attends, je viens de penser à un truc. On a deux jerrycan, on a une jerrycan. On a une jerrycan, je crois. Il y en avait une deuxième quelque part par là. Que je vais m'empresser d'aller récupérer et vous allez comprendre pourquoi je vais vous en parler immédiatement. Dès que je remets la griffe dessus. T'es où? Ah. Yep, hop. Hop, on embarque. Perfect. On est vert encore, c'est génial. Maintenant, il me faut une hache. Une hache. Merde, une scie. Bordel de cul. Une scie et je suis super content. C'est bien ça qu'il y a un bâtiment comme celui-là juste ici. C'est génial. Exactement ça qu'on veut. Absolument. Alors, voyons voir. Un peu de luck ou un peu pas de luck? Un peu pas de luck, on dirait. Pour l'instant. Et je suis en train de m'étouffer comme un gros con. Non, on est d'accord. On est... Et j'hallucine pas. C'est bien un tir... Ça, c'était un tir de M4. Holy Jesus. Je suis pas en train de rêver, merde. Mais c'est marrant parce qu'il n'y a qu'un tir à chaque fois. Mais ça, c'était un tir de M4, c'est pas possible. Je suis pas en train d'halluciner quand même. Que de... Oh! Tiens donc, il y a du loot là-dedans aussi. Painkiller, intéressant. On va prendre les deux. Oh merde, ouais, il me faut des bandages moi aussi. Oh, wow, wow, wow. Attends, c'était quoi cette histoire là? Je sais pas. Oui, les jerrycan, j'en ai pas parlé, mais les jerrycan. Je vais essayer de trouver un bateau en fait. On va attendre la fin du restart serveur, c'est-à-dire dans quelques heures. Dans 2 heures, je crois. 16h15, si mes souvenirs sont bons, il est 15h maintenant. Je vais attendre le restart serveur et je vais aller, je vais essayer de choper un petit bateau, là, tranquillou. Pour potentiellement... Ouais, pour potentiellement se faire salvation. Alors... On est d'accord. On va pas se faire salvation, hein, parce que je suis pas cinglé quand même. Mais on va essayer de sneaky l'intérieur. On va essayer d'aller sneaker du loot aussi, surtout. Surtout du loot. Et si on peut rentrer en, je sais pas, en hélico, en bateau, je sais pas, n'importe quoi, c'est encore mieux. Mais le principal du truc serait de quoi, ben d'essayer d'aller sur place et d'essayer de se faire un max de loot. Si on peut, c'est tant mieux. Bon, je sens que je vais abandonner pour le coup du... Ok. Ça, c'est M14 AIM ou Snipe. Je dirais M14 AIM au vu du bruit plutôt. Donc on a nos chances. Mais il tirait sur quelqu'un, c'est évident. Parce que tu tires pas au snipe sur un zombie. Très clairement. Je vois rien. Je suis pas sûr, hein. Mais je crois que j'ai vu quelque chose là-bas.
J'ai peut-être complètement halluciné. Peut-être. Mais je crois avoir vu un truc par là-bas. Et sans déconner. Je vois que dalle. C'est très frustrant. Ah ouais, ouais. Mais il y a des baraques, je crois, là-haut aussi. Ouais, c'est vrai, il y a les baraques à l'antenne. Elle est où, l'antenne, d'ailleurs? Elle est pas là, l'antenne. Ah oh, putain, si, elle est là, l'antenne. Ah ouais. Ils sont à l'antenne, en fait. Ok, très bien. Ce serait peut-être assez intéressant de tenter un petit fight, comme ça. M16 ACOG. Ok. Attends, tu sais quoi? Tant pis si on meurt. On va tenter un petit truc funky quand même. J'ai quoi sur moi? J'ai rien de spécial, on est d'accord. J'ai une CCO. Voilà, 3 chargeurs. Si on le tue, on a une ACOG. C'est bien une ACOG. J'en ai pas eu encore. Alors on va essayer de se faire une ACOG. On va voir où est-ce qu'il peut être. Notre ami là. Ça, il y a toujours du monde dans ce bordel, c'est assez incroyable. C'était quoi ça? Non, c'était pas ça. Tu veux bien viser? Putain, vise, connard! Mais tu fais exprès ou quoi? Oh! Alors là, mec. Bah. C'est une farce quand même. Franchement, ça c'était une grosse farce maintenant. C'est une grosse farce. Pourquoi? Parce que déjà dans un premier temps, j'ai pas vu le mec. Bon voilà, ça c'est un fait. Mais en même temps, mais pourquoi il pouvait pas viser ce gros con? Il avait l'arme dans les mains et j'ai fait un clic droit depuis avant comme un connard et il voulait pas viser. Enfin bref, peu importe. Oh la blague, mais la blague, putain la blague. Ah, cette frustration. Shit, on fait quoi maintenant? On va à Kameni ou on va pas à Kameni? Parce qu'à Eka Terrainbourg, il y a moyen d'avoir peut-être cette scie. Mais il y a un gros trajet à faire au retour. Du moins pour revenir à la baraque, hein, je m'entends. Ouais. Pour ça, Etanovsk, c'est pas plus mal au final. Oh, mais sérieux, mec! Mais putain, t'étais planqué où, Novo? Chiant, ça! Ouais, on s'en fout. Oh non, dur! Je vais apparaître où? Je suis où, merde? Novibok? Taviana. Ouais, t'es mignon. Est-ce que j'ai fait random? Mais je suis super content. Vous savez où je suis? Moi je sais où je suis. Je suis à Bialov. En fait. Ouais, je suis à Bialov. Bah c'est super. C'est exactement là où je voulais pas aller en fait. C'est très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi réfléchir 2 secondes. En plus, c'est un bandit qui m'a tué. Je suis aussi super content. Ce qu'on va faire, les amis, on va rapidement aller à ce bâtiment-là et je vous retrouve ensuite. Je vais faire une ellipse et je vais vous retrouver. Où ça? À l'airfield. Bah, je vais y arriver. Je vais vous retrouver à l'airfield. De toute façon, on n'a rien, donc en même temps, perdre rien, pourquoi pas. Mais c'est Bielov, mais putain, mais pourquoi je suis allé à Bielov? J'ai fait un seul clic, hein, pourtant, hein, j'ai pas cliqué plusieurs fois, j'ai fait un seul clic, je confirme. Et non, juste non, bon, très bien. Bah écoute, va te faire fiche, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le problème, c'est qu'on a pas de sac, donc on va être relativement et très rapidement limité à notre inventaire uniquement. Ça craint un tout petit peu. On aurait dû farmer un petit peu à Bielov avant, mais j'ai pas envie de farmer à Bielov. Franchement, non.
On va voir si on a la chance de trouver un truc intéressant ici. Si jamais on n'a pas de chance, on se casse et voilà, terminé quoi. Ouais, ça a même pas eu le temps de pub, j'ai l'impression. Visiblement non, les amis, je vous fais une ellipse, je vous retrouve un petit peu plus tard, à tout de suite. Ah, les amis, on se retrouve. On est à l'airfield. Là où je... Ouais, on est à des kilomètres de là où je voulais aller à la base. En même temps, c'est un peu ma faute, c'est moi qui ai un peu fait le fou, encore une fois, pour pas changer. Mais en même temps, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un mec à côté de moi, en fait. Bon, c'est pas grave, c'est ce qui arrive. En attendant, il fait bientôt nuit, c'est un poil chiant pour vous, c'est un poil chiant pour moi. On va voir si on peut trouver quelque chose dans ce splendide airfield. Ne me tape pas, ne me tape pas. Il y a un avion là? Oh! Intéressant. Là, ça commence à me plaire par contre. Ouais, je vais vraiment devoir faire tous les spots parce que je ne vois absolument rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien de chez que dalle, de nada, de niette. Aïe, oh mais quelle enflure, putain, sérieux. Ok, assaut. T'es pas dans la merde. Mais prends ton temps pour viser, hein. Surtout, tu prends ton temps pour viser mon canard, y a pas de problème. Regarde-moi ça. Le zombie t'a tapé une fois. Tu saignes pendant, bon, allez, peut-être 10 secondes. Et regarde, il t'a déjà enlevé une partie de la vie. C'est assez incroyable quand même. On perd de la vie extrêmement rapidement sur ce serveur. C'est flippant. Bon, maintenant je vois quasiment. Enfin, non, je vois vraiment plus rien. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que même sur votre écran, je vois quasiment plus rien. Ah, c'est cool. Non, c'est bien. C'est très bien. Y'a rien en fait. Ouais, c'est ça, y'a rien. D'accord, cool. Je suis content. Non, vraiment. Putain, j'espère que cet avion démarre, ce serait top. On va sur Salvation Island directement. Je vois pas, hein, donc je suis obligé d'y aller. J'ai pas l'impression. Ouais, non, y'a rien. D'accord. Ok, ça marche. Encore un airfield qui vaut le coup, dis donc, c'est ça qui est bien. Sûr qu'il va manquer du fuel dans ce merdier là. Bon, en tout cas, s'il manque que du fuel, ce serait sympa d'essayer de se trouver ça à Molotov, parce que tout à l'heure. Et potentiellement partir avec ça quoi, ce serait génial. Pour un painkiller et un chargeur de Makarov. Ah ouais. Et on a une place dans l'inventaire pour un pare-balles. Je n'ai pas encore vu de pare-balles. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut trouver ça quelque part? Aucune idée. Pose-moi une autre question, je t'en supplie. Bon, si c'est là, sûrement que ça doit exister. Après, je sais pas où, quoi. Mais on s'en fout de sac de sable. Merde, file-moi une arme, file-moi un truc, putain, sérieusement. Y'a rien, ouais, je crois qu'il y a rien. Allez. Tellement génial cet airfield. Oh là là, ça me fout des frissons jusqu'au cul, tu vois. Fusée rouge, bah ouais, c'est exactement ce qui me manquait, tu vois. Non, vraiment. Ouh, elle a l'air en mauvais état. Ouais, très mauvais état même. Ok, le hull est quasiment mort. Et il manque du fuel, quoi. Ok. Bon, en même temps, l'avion, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à réparer, hein, très clairement. Il faut un petit peu de scrap métal, là, vite fait, bien fait. Et avec ça, un peu de fuel, et le machin, il décolle, pas de problème. Donc on peut sûrement se trouver ça quelque part, sans trop de soucis. Qu'est-ce que c'est que ça comme sac? Un as opaque. Ok, et ça fait combien de place, cet as opaque? 16. Oh, putain. Bon, c'est toujours mieux que rien. Ah, ce soit pas négatif comme ça, merde! Pas vrai, ça? T'as trouvé un sac, t'es pas content? Un coyote, ça aurait été bien. Bon, là, maintenant... Et alors, on a trouvé qu'un sac, hein, parce que pour le reste... putain, tu peux t'asseoir dessus, sans déconner. Ouais, j'ai même pas envie d'aller au fond, ça me fait chier. Ok. Et je suis en train de mourir, nouveau.
Ok, on va au fond. Mais est-ce que tu vois quelque chose? Moi, je vois rien. C'est ça le fond? Y'a rien. Y'a rien. Non, y'a rien. Nul. Ah merde, parce que je suis pas dans le bon coin. Ok, d'accord. Y'a rien. Nul. Ok, cool. On se casse. Je vois que dalle. Je vois que dalle. Allez, vous, ça va encore. Enfin, surtout quand on se dirige vers la sortie, quoi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, c'est même pas la peine que j'essaie de tirer, je vois rien. Déjà, de base, j'arrive pas à tirer, mais alors après, avec ça, c'est bon, quoi. Sérieux? Mais y'a rien, y'a rien, y'a juste rien. C'est flippant, y'a que dalle. Wow. Oh, du Lienfield? C'est sérieux? Ouais, ouais, bah tape-moi dessus, j'en ai rien à foutre. Ah bah si, je saigne. Ah putain, là, j'en ai quelque chose à foutre, par contre. Il me faudrait un bandage, s'il te plaît. Ah bah non, ah bah je suis dans la merde. Ok, cool, parfait. Bah on est bien, les amis, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Non, c'est... Alors, ouais, ouais, non, c'est la merde, là. C'est la merde, là. Ouais, 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 fous-moi le camp, oh là là. Il y a que dalle. Il y a rien. Il y a rien du tout. C'est quoi ça? Ah bah oui, un M24. C'est maintenant que tu viens une fois que je suis en train de pisser le sang comme un connard. Bravo. Et on va pas trouver de bandage, j'en suis sûr. Génial. Génial. Je suis en train de pisser le sang comme un enfoiré. Oh yes. Bien. Au moins ça. On a perdu énormément de vie. Autre chose? Non. Ok. Bon. Ouais, très bien. Du coup, comment ça se passe? Je sais pas trop. Parce que là, je vois vraiment, mais je vois vraiment que dalle. Est-ce qu'il reste un peu de temps sur la vidéo? Ouais, il reste encore un peu de temps sur la vidéo. Du coup, ah oui, mais c'est bien. Je t'ai bloqué contre quoi, là? Je sais pas. Bah bref, peu importe. Je sais même pas si j'étais vraiment bloqué, en fait. Ouais, je sais quoi. Hein. Bon, il me faut de la vie. Il me faut beaucoup de choses, là. Il me faut beaucoup de choses, il me faut de la vie, il me faut plein de trucs. De la vie, ça va être compliqué d'en trouver parce que, ben, ouais. Et ça aussi, c'est un autre truc, j'ai pas encore vu de bestioles. Ouais, j'ai pas encore vu d'animaux. Est-ce que ça existe encore des animaux dans ce jeu ou pas? Parce que ça aurait été bien de se faire des steaks, au moins, au moins t'es tranquille quoi, tu fais un steak, t'as bouffé correctement. Mais là, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il y avait de viande. Donc bon. Je propose qu'on se fasse rapidement cette zone-là encore. Et après, je vais arrêter là, je pense. Je suis à mi-vie. En deux coups de zombie. Plus le saignement. C'est assez flippant. Ah, tu m'étonnes que tu prennes une balle et tu crèves dans ce jeu. On traverse? Ouais, on traverse. Non, on en a rien à foutre. Bien sûr que oui. On a qu'un sniper. J'ai envie de te dire, franchement, hein, sans déconner, rien à foutre. Mais alors de rien à foutre. Killed by Flint. MK16 CQC Holo. MK16. Ok. Connais pas. Holo, j'ai bien compris. MK16 CQC. Aucune idée de ce que c'est. Nouvelle arme, en tout cas, ça c'est un truc que je suis sûr parce que c'est... j'ai vu ça sur le net avant. Quand je cherchais pour cette scie. Et scie que je n'ai toujours pas. Ouais. Oh, le Mivi, il m'emmerde là. Ça aurait été cool de que. Pff, shit. Le Mivi m'emmerde. Pourquoi? Parce que j'aurais bien aimé rester sur Molotovsk directement. Parce que Molotovsk, c'est juste là-bas. Hein, c'est pas loin du tout. Et on a un snipe en plus. On a pas beaucoup de munitions. Mais disons, on a un snipe. Enfin, on aurait pu se tenter un salvation. Mais du coup, je me demande si je vais pas y aller par avion directement. On va pas s'emmerder. Ouais, clac, clac, clac. Et voilà, terminé. Ouais bon, on risque pas de s'en sortir vivant, hein. Soyez pas
Genre, ah oh, putain, assaut, non, Salvation, on va se faire défoncer, hein, très clairement, voilà. Je veux dire, de nuit comme de jour, de nuit, ils ont des night vision, donc de toute manière, ils t'alignent, voilà. Et ouais, de journée, c'est pas beaucoup mieux. Il faut juste essayer d'arriver à sneak jusqu'à un camion, récupérer un petit peu de stuff du camion et de se sneak vers l'extérieur et de se casser avec un bateau ou n'importe quoi, enfin un truc quoi. Voilà, ça aurait été ça le concept, mais je pense que je vais avoir du mal à faire ça. Mais on peut tenter. Parce que pourquoi pas? Et si on arrive à rentrer avec un sac méga, les amis? C'est pas mal. Mais bon, question de chance, là, pour le coup, il en faudra beaucoup, de la chance. Encore avec leur sac de sable de merde, que je ne peux plus piffer. Avance, avance, drive. Rien du tout? Bah non, rien du tout. Pourquoi tu mettrais un truc déjà? Ouais, c'est vrai. Rien du tout. Ah ouais, mais là je t'emmerde mon grand par contre. Parce que, enfin, ouais, va te faire fiche. Non, sans blague. Tu mets 3 canettes vides et puis c'est tout quoi. Le reste... Non mais sans déconner. Non mais sans déconner. Bon, du coup... Les 3 bâtiments Indus qui sont là, la caserne de l'autre côté et potentiellement c'est tout quoi. Rien. Juste rien. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe là? Tank trap, mais je suis super content, dis donc. Ça va changer ma vie, ça. Non, mais y'a rien. Y'a rien. Y'a même. Y'a rien. Y'a juste rien. Y'a pas une hache. Y'a rien. Rien. Et que dalle. Même pas de la merde. Y'a rien. C'est flippant. Y'a rien. Le bâtiment est vide. Ok. Ouais, bah ouais. Bah écoute, ça marche. Sans problème. Je suis choqué. Genre, ouais, là, je suis choqué. Bon, bah on va passer par là-bas, hein. Voir ce qu'il y a par ici. Avec un peu de chance, bien que j'ai pas l'impression que... Voilà. Peut-être le bâtiment aussi à droite là, le tout petit. Ça serait bien de trouver une boutique aussi peut-être quelque part là. Parce que dans la rue il y a une boutique, ce serait bien. Histoire de se remettre un peu de vie parce que je suis sûr qu'il y aura de la bouffe à l'intérieur. Et là au niveau de la vie on est dans la merde. Bah ça fait chier. Mais je vois rien, merde. Y'a encore que dalle. Non mais c'est pas possible. Ok, là ça m'a gavé par contre. Non mais sans blague. Sans blague là. Y'a rien du tout. Même pas un petit truc quoi. Mais même pas un petit truc qui sert à rien. Juste rien du tout. Ok. Ah quand même. Autre chose que deux canettes ou... Ouais, de la canette vide, très bien. Rien du tout et... Encore deux canettes, parfait. Au moins ça quoi.
On a gagné un petit peu de sang. Très bien. Non, c'est pas par là que je vais sortir. Elle est où l'entrée? Bien. Zone Indus ou pas zone Indus? C'est une boutique ça? Non, c'est pas une boutique. Ah, mais des fois il y a du loot là-dedans aussi, on va aller voir. On va aller voir, c'est du résidentiel. Un peu de loot peut-être. Un peu de bouffe peut-être. Ce serait bien. Un sac plus grand peut-être. Ou juste rien, encore une fois. Ouais, d'accord. Ok, Dax, salut, bisous. Y'a pas de soucis. Putain, il m'a fait peur lui. Je crois qu'il avait une arme dans les mains. Pendant 2 secondes. Bon bah du coup, comme il n'y avait rien dans les différents bâtiments, on va se retenter les bâtiments militaires. Et après j'arrêterai ma vidéo là. Ouais, déçu en fait hein. Clairement, du loot là, très déçu. Regarde le loot. Ouais, tu peux continuer à gueuler, j'en ai rien à foutre. Silence, merde. Tu m'importunes. Au pif, ça passe. J'ai 17. Ah ouais, d'accord. Et munitions, non, jamais. Ouais, pourquoi des munitions? C'est vrai, ça sert à quoi des munitions? Je croyais avoir vu un truc là. Ah bah voilà. Tu vois quand tu veux. Très bien. Petit G17. Avec un petit chargeur de 17 balles. Ça, ça fait plaisir. Y'a rien d'autre. Ça pop en tout cas, mais que de la daube. Et là-haut? Et là-haut, y'a juste rien. C'est une foutue farce. C'est une foutue blague. Ok. Voyons voir la zone industrielle à nouveau. Rien. Rien. Encore une fois. C'est quoi ça? C'est un sac de ciment? Ouais, super. Eh ben, c'est pas gagné. Hein. Non mais on est d'accord que c'est quand même une foutue blague là. Y'a que dalle. Y'a que dalle. Bon, vous savez quoi les amis? Je vais faire le dernier bâtiment qui est là. Salut Billy. Deux chargeurs de Makarov. Une petite merde. Et je sais pas, deux, trois trucs ici là vite fait. Qui servent à rien. Ok, j'en ai marre. Je vais attendre le restart serveur, je vais me foutre là quelque part dans un bush. Je vais attendre parce que c'est bon, là ça m'a gavé. Hein. Donc les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon épisode ici. Bon, c'était relativement long déjà, mais là, franchement au niveau du loot, mais une chance équivalente à zéro, je dirais. C'est quand même assez incroyable. Et je vous laisse là, j'espère quand même que vous avez apprécié. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires si jamais. Voilà. Moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode, 18h, soyez à l'heure. A bientôt tout le monde, ciao ciao.